Les refs, à la base, ce vlog ne devait pas du tout se passer comme ça. Mon gars, si t'es abonné et que la vidéo te plaît, surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification, c'est très très important pour moi. Et si t'es pas abonné, il suffit juste de t'abonner en appuyant sur le petit bouton en bas à droite. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée hier soir. Mais avant de parler de hier soir, on va commencer une semaine à l'avance. Je savais que le match du PSG approchait pour le dernier match de la saison et pour le potentiel départ de Mbappé vers le Real Madrid. Et je voulais à tout prix avoir des places pour pouvoir voir le dernier match de Mbappé avec le PSG. Et pendant une semaine, rien. Je vous jure, rien. Aucune place de dispo, aucun sponsor on a. Je peux même pas les acheter, rien du tout. Et là, le dernier jour, dernier jour, je reçois des places de EA Sport. Big up à mon ref Abdou de les avoir envoyées. Pour des places qui sont... Eh, on était sur le toit, on était carrément sur le toit. Limite, au-dessus, c'était le vide. On était au dernier rang pour pouvoir le match. Ah, bref, on est parti voir le match ce jour-là, je me suis dit vas-y, je vais commencer à vlogger une série de rush qui va rentrer dans une vidéo qui va être pour un autre événement qui arrive d'ici une semaine. Je pense que si vous n'êtes pas con, vous pouvez savoir quel événement arrive. Mais ça devait, le vlog que je commençais à faire pour aujourd'hui, enfin pour hier, devait être une sorte de petite partie avant le gros événement qui arrive dans une semaine. Bon les gars, là on est quelques jours plus tard et ce qu'on va aller voir, ça concerne directement le Real Madrid. Parce que là, à l'heure actuelle, je pensais qu'on allait voir le dernier match de Mbappé avec les couleurs du PSG. Mais en vrai, on va aller voir le tout premier match de ces trois prochaines années qui va passer avec le PSG. On va rejoindre notre gars Pau, on va partir en direction du PSG. On va aller voir l'hommage que le PSG va rendre à Di Maria. Et ensuite, on pourra jubiler devant le dernier match de Mbappé cette saison, mais aussi le premier de sa future saison avec le PSG. Et pourquoi pas peut-être voir quelques mots d'Mbappé qui va annoncer officiellement qu'il reste. À l'heure actuelle, ça a été officialisé par les grands insiders comme quoi Mbappé reste, comme quoi il a déjà signé son contrat, mais ça n'a pas encore été officialisé ne serait-ce que par le club ou par Kylian lui-même. Et là, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié mon casque pour pouvoir prendre mon scooter et pour aller au parc. Et vas-y, donc du coup, j'ai pris ma caméra en mode vas-y, je commence à filmer des petits plans, mais tu vois, vraiment des tout petits plans. Ça devait pas être un épisode vlog spécial hier. Et je les ai filmés, hein, donc on arrive au parc, on filme les buts, on filme les célébrations, on filme les hommages, on filme les changements, etc. etc. Et voilà, on a rejoint Boy avec nous. On arrive devant le parc pour ce qui aurait dû être le dernier match de Mbappé, mais qui au final est son premier match. Tu as un futur adieu. Et voilà, donc là on arrive au parc, ça va être la folie, on va kiffer ça. En plus là, on va passer par un endroit, je sais pas si vous vous rappelez, pour tous ceux qui ont vu la vidéo Marseille-Paris à pied en coup de balle, bah, on est passé par là, rappelez-vous. On est passé par là pour aller vers l'entrée du PSG. Là, on peut vraiment pas faire plus haut. Accès 423, place 27. On va rien voir. Challenge, et là c'est pour moi, on va faire une vidéo, enfin on va faire une partie Messi versus Neymar versus Mbappé en poufra frappe à 25 mètres, d'accord? On part sur ça, Neymar, contrôle, oriente, pam! Un point pour Neymar. Tour de Messi, 1-0. Tour de Mbappé, Yann. C'est égalisé. Alors on va rentrer. 2-2 pour Mbappé. Neymar, 1 pour Messi. Kylian Mbappé. Il reste. De rester ici en France, en Paris, dans le Allez les gars, c'est la fin du feuilleton, on l'aura vu qu'ensemble, c'est officiel. Mbappé reste au Paris Saint-Germain et ça, c'est incroyable. Ouais.
là, à un moment donné, tout part en couille. Tout part en couille. Je suis vraiment désolé si c'est mal cadré, parce que des fois, j'étais vraiment pas concentré par rapport à ça. Désolé des fois si vous entendez rien, parce que c'était pas prévu. Désolé des fois si je suis complètement ailleurs. Je suis désolé des fois si vous avez des plans de téléphone, juste des photos. Mais ce qui va se passer là, ce que vous allez voir aujourd'hui là, c'était sûrement peut-être mon meilleur souvenir football de ma vie à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y aura pas mieux. Il peut y avoir mieux, on va chercher à avoir mieux, mais je pense qu'il y aura pas mieux. Mais je vous dis clairement, vous n'êtes pas prêts, parce que moi-même, je l'étais pas, les gars. Moi-même, je l'étais pas. Et je suis encore sous le choc. Là, je suis en train de tourner ce plan-là, genre, c'est peut-être une heure après tout ce que vous allez voir maintenant. Et je suis encore sous le choc. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, à lâcher vos likes, parce que je pense que des trucs comme ça, on en fera de plus en plus. Donc, abonnez-vous, c'est super important, les gars. Techniquement, on essaie de s'approcher du terrain pour essayer de croiser un mec qu'on connaît. Ouais, croyez-moi, j'attrape n'importe quel joueur, c'est genre, je connais de ouf. Techniquement, on est à quelques mètres. 3 très exactement. 3 mètres du terrain, je vous montre. 3 mètres. Juste là, on est pas loin. On va attendre le moment où ils vont récupérer la coupe et où ils vont faire le tour du terrain pour essayer de faire en sorte qu'on s'en soupe. Parce qu'il y aura peut-être avec des joueurs du PSG. On va essayer ça. Oui, c'est mon accès, c'est ma clé. Simon, mon rêve. Il faut savoir que ce type, il a survécu du cancer, il est devenu plus fort, frère. Mon rêve sûr. On va le tenir, on va où ? Vas-y, passe. Passe fort, go. Ok, mission, c'est de s'approcher le plus du tunnel. Dans le tunnel qu'on doit être. T'en as plus ? Je vais en voir. Oh, oui. Ok, oh, les gars. Oui. Avancer là, encore. L'opération c'est d'arriver jusqu'au tunnel. On est vraiment très loin là du but. On est juste à côté. Franchement, on peut pas être plus proche là, les gars. On peut vraiment pas être plus proche. Là, si on avance mieux, on est sur la pelouse carrément. Et là, je vous assure tout. Oui, je suis dans l'ascenseur, c'est normal. Je suis en train de faire mon vlog en rentrant du stade. Et là, je vous assure que c'est vrai. Il y a un joueur qui passe et qui me reconnaît. Voilà, un joueur du PSG qui est passé, m'a dit « Ouais, je vois ça là, c'est toi qui fais des vidéos et tout ?» Et c'est à partir de là, les gars, que tout pète. J'ai écrit. Non mais on le connaît, genre on a déjà tourné ensemble, on tourne des vidéos ensemble. Eh, parce que l'a dit une personne. Mais non, mais je te jure, on tourne des vidéos ensemble, je vais même te montrer. C'est vrai, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Je vais monter. Demande-lui, Wallah, c'est vrai, frérot. Vas-y, viens. Wallah, on est sur la pelouse. Voilà, on est sur la pelouse. Regardez juste. Là. Regarde. Bon les gars, vous vous rappelez ce qu'il m'a mis la dernière fois, on va le rattraper. Il nous a ramené ici. Il peut pas, la prochaine c'est carton rouge. Carton rouge. C'est un ouf. Oh, je l'ai pas vu, il est passé juste devant moi, Léo, wesh. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, il est passé juste devant moi, je l'ai pas vu. Bon, regardez, j'attrape qui. Non, c'est mort. C'est Sama. Champion d'Afrique, champion de France. Montre-nous. J'attends quoi? Montre-nous si tes vidéos c'est des blagues. Mets là-bas. Ah, tu veux? Mets là-bas. On va voir si c'est des blagues. Mets ça. Attends. Mais par regarde le petit, attends, je trouve un ballon. Y'a pas de ballon. Mon mais frère, tu... moi je suis réactif, moi. Moi je suis là, mais j'étais là, moi. Vas-y. Moi j'étais prêt. Vas-y, on va dire Abdou. Comment? Alors Maro. Do you remember me? You beat me at Crossbar. What? 1 year ago. Where? Du camp des loges. Okay. You make me bend to don't worry about that. Police station. Okay. Have a good life, man. Thank you very much. Ah là, on est très bien. Voilà, vidéo imprévue. On devait pas finir ici, frère. On est quand même sur la pelouse. Regardez, je suis avec lui. Ashraf, vous voyez ce photos? I don't know how to say that. Thank you, man. On a chopé Ashraf Hakimi, les refs. Ashraf, on a chopé, les frères. Mais dommage, Messi, Mbappé, tout ça, ils sont déjà partis, mais c'est pas grave. On a chopé. Danilo.
Craquito. Es un crack. No, es un craquito. Tú eres un craquito. Congratulations. Es un craquito. Gracias. Tú eres un craquito. Le plus grand des cracks, c'est lui. Tu parles un peu français? Non. Ouais, en gros, c'est le plus grand des cracks. C'est pas assez flou. Plus grand des cracks. 1000 ans. Yeah. Chine. 1000 ans. Prolongation. Prolongation. Un milliard. Un milliard. My friend, it's a big fan of you. Because he was a Liverpool fan. This is for him, not for me. Je vais l'envoyer à mon gars, Ryan. Il va être jaloux. Tu te rappelles pas encore? Si, si, je me souviens. Non, tu mens. Voilà. Eh, faut qu'on fasse, toi et moi. Ah ouais? Eh, faut qu'on fasse, toi et moi. Ah, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Je suis sur la pelouse du Parc des Princes avec les joueurs du PSG. Je suis en train de kiffer ma life. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Sabri va nous prendre en photo. Ah, il va nous prendre en photo. Et avec un truc d'ouf. Et là, c'est bon, Jenny. On a la coupe. Célébrez, célébrez. Vamos! Par terre, C'est pas une photo, c'est une vidéo. C'est vrai, voilà. J'ai attrapé une légende. J'ai attrapé une légende. Ça va quoi? Non, hé gros, tu me fais rire depuis 20 ans. Hé, je suis né, j'étais pas encore né, tu faisais déjà rire. Sérieux, à l'écho, à l'échographie, je te faisais gonnerie. Voilà, gros. Voilà, je suis en train d'immigrer pour la France, frère, tu me faisais gonnerie, gros. Merci, frère. T'es un gars de la pêche. Toi aussi, frère, c'est force à voir, moi. Tu as fait une vidéo YouTube? Voilà, là, si tu veux, non, mais c'est une vidéo, tu vas voir. Tiens. Abdou. Vas-y, tu commences. Tiens. Allume-le. Faut retirer là, sécurité. Ah, normalement là, t'as gagné là. Bosse, la PNK. T'inquiète, on va se faire ça en crampon. Ok. Bien comme il faut. Quand tu ça veux. Va envoyer des bastos. Quand tu veux, ça va flotter, ça va enrouler, ça va tout faire. Quand tu veux. Il est insolent. Ah, il est sûr de lui. Ah là, il est insolent. C'est ça ton problème. Moi, je vais éclater les discours pour toi là. Moi, j'aurais fait le panache, wesh. Mais il est là le ballon. Le panache. Gaucher ou droitier? T'aimes pas la beauté du foot là? Gaucher ou droitier? Moi, c'est la même chose. Attention, je suis fort. Non, ça pas. Ça y est, il fait semblant. Il veut, tu te connais? Il est genre moi. Je suis en claquette. Non, ouais, c'est parce qu'on est long, Vas-y, vas-y, on s'approche. Non, je te dis, attends, je vois. Oh. T'as comment il triche? J'étais en train de dire, venons, s'approche. Allez, monsieur. Allez, tiens, oui. Ah, pareil que moi. On est carrément dans le vestiaire là. C'est la fête au village. La fiesta au village. Voilà les gars, on est carrément dans le vestiaire du PSG. Ça totalement reposé sur la table du parc. Là les gars, actuellement moi, je suis rentré dans le vestiaire, il me restait 1% de batterie, la caméra s'est éteinte. J'avais un seul objectif, c'est finir avec la star, le guest ultime, la star de depuis un an au PSG. Et du coup, je vous fais kiffer à travers toutes les photos que j'ai pu prendre avec les 1% qui me restaient, avec les stories que j'ai pu prendre avec les 1% qui me restaient.
je vous laisse kiffer la fin de la soirée que j'ai passée dans le vestiaire du PSG, les gars. Dans les vestiaires du PSG, les gars. Got that house with my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People do see time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind when I'm blowing, no women, no shorties, no nothing, my clothes. No stopping at my Pirelli's on hold. Unlike my Gary, that's always on hold. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the knock, cause it's meant to be ours. Keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner, Patron every hour. Mama, I owe you just like the power. Tell you the truth, but I like goody powers. You will spin my head right round, right. Ouais, 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 ça se termine comme ça. Plus de batterie sur mon téléphone, plus de batterie sur ma caméra. Je vous ai tout montré, je vous ai dit, des fois, il y a des plans qui sont à la zeub. Des fois, je pensais filmer, ça filmait pas. Des fois, je pensais bien cadrer, je cadrais juste un bout de tête comme ça qui dépassait. Mais là, je suis encore sous le choc, les gars. Je te jure, même là-bas, il y a Pau qui était avec moi. Bon, Trafi, lui, il a déjà vécu ça, donc ça va, il est habitué. Mais même Pau, il est là-bas encore, lui et moi, on est encore sous le choc. On a vécu un truc de fou, mais surtout, c'était pas prévu. Mais pas prévu du tout. Du tout, du tout, du tout. On partait juste voir un match rentrer à la maison. Sans vous mentir, tout ça, c'est grâce à vous, les abonnés, parce que la chose que je vous ai pas dit, c'est que sur le terrain, il y a énormément de joueurs du PSG qui m'ont reconnu parce qu'ils ont regardé mes vidéos. Et si j'avais pas cette communauté qui a fait en sorte que mes vidéos soient de plus en plus vues, cette communauté fidèle, ces joueurs-là ne seraient jamais tombés sur ma chaîne ou sur mes vidéos. Et grâce à ça, c'est limite, j'ai pu arriver là où je suis arrivé grâce à ça. Un gros big up à toi, tu le sais très bien, tu m'as carry. À tout moment où j'ai foulé depuis sur la pelouse, tu m'as carry de A à Z. Et c'est limite grâce à toi que j'ai pu vivre. Et t'inquiète, on va se retrouver, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, mon gars. Follow-moi sur mes réseaux sociaux.